Et what's up tout le monde les boys, aujourd'hui nouvelle vidéo setup 2.0 de ma chambre. Donc tout simplement je suis accompagné de Fanasio Predator, salut à toi. Salut à vous. Donc tout simplement les boys, n'hésitez pas à liker, à partager, des avis constructifs. Et moi je vous dis on se retrouve pour un petit vlog, peace. Fanzone. Bonjour les gens, on se retrouve donc dans mon coin gaming. Donc en fait on est chez Fanasio Alien, mais si vous voulez je préfère avoir mon coin gaming chez Fanasio, comme ça on peut travailler directement ensemble et voilà. Donc voilà, donc on enchaîne. Donc là on a le fond qui sert en fait à mettre juste ici, comme ça on n'a pas d'écho sur les vidéos. Ici on a notre donc masque off, les petits sticks en fait, c'est un petit grip sympa hein, personnalisé. Donc on enchaîne avec une télé de 82 cm. Donc juste ici, la Kinect qui est là juste pour décorer. Donc ça se met sur la scuff, donc c'est un petit clavier, c'est pour écrire les messages, c'est plus rapide. Là on a le vieux Kiku ici, donc la 360 Slim. Donc voilà, bon on fait une partie de temps en temps hein, pour le fun. La Xbox One S, donc voilà, les toutes nouvelles, c'est la toute dernière, hein, donc voilà. Et ça, c'est la table de mixage, donc c'est pour Fanasio Alien pour faire les mixtes, enfin les mix plutôt, des vidéos. On se retrouve sur la game room de Fanasio Alien. Donc, les boys, donc c'est parti. On commence par la Surface Pro de chez Microsoft, donc voilà, donc c'est celle qui est étanche, etc. Avec le clavier assez spécial, puisque dessus c'est du tissu ou du synthétique, je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà. Donc juste ici, la manette de la Xbox One S, donc j'ai préféré la garder dans mon coin à moi, puisque tout simplement il y a la prise jack et moi je me sens plus à l'aise avec une manette beaucoup plus légère que la normale avec le clavier, etc., etc. Donc ici, un dock Fnac, donc tout simplement il me sert juste quand je veux poser mon téléphone pour le charger ou pour prendre des fichiers pour le mettre dans mon ordinateur, puisqu'on peut brancher de là en USB et de là pour parler, etc. Donc ici, mon Game Capture HD2, donc tout simplement, lui me sert donc pour mes gameplays. Donc ensuite, j'ai préféré le brancher sur mon PC ici, donc celui-là qui est puissant pour les montages photos, mais pas pour le montage vidéo et pour la 3D qui est vraiment pas terrible. Donc ici, nous avons notre télébrante de 22 cm, donc tout simplement, 22 pouces, pardon, pas 22 cm, 22 pouces, donc qui me sert, comment pourrais-je vous dire, juste pour mes gameplays. Moi, je préfère être sur un écran, puisque de base, je suis pour PC, je suis pas pour console, mais en attendant que ma tour gamer se fasse, donc j'utilise juste ça, voilà, en attendant mon déménagement. Donc ici, nous avons clavier rétroéclairé Ozone Blade avec la souris CPI. Donc tout simplement, moi, je trouve que c'est juste le top. Donc moi, j'ai pas de macro, j'ai rien de tout ça, j'ai juste les petites commandes ici, vraiment bien sympathique. Rétroéclairé bleu, rouge, vert, mais j'utilise que rouge puisque tout simplement c'est la couleur qui me convient le mieux. Donc ici, le PC semi-gamer, donc j'utilise les jeux en HD, pas en full, mais en HD. Donc j'ai une carte graphique avec 2 Go dédiée. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Intel Pentium, donc cadencé à 2,5 GHz. Moi je trouve qu'il est terrible clairement pour les montages vidéo, c'est ce que j'utilise le plus après mon PC gamer, bien évidemment. Donc juste ici, nous avons le PS3, donc c'est le pack Call of Duty Ghost, avec ici les cartes Black Ops 3, Xbox One. Ici, la petite manette que j'utilise rarement, puisque tout simplement, c'est une manette, entre guillemets, édition collector, et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Donc ici, j'ai le truc Assassin's Creed, donc c'est le pack collector, donc édition Bastille, bien évidemment, qui est sorti il y a à peu près un an, que j'ai gardé avec son livre et tout ça. Le packaging de l'iPhone 6S, donc je le garde juste parce que j'aime bien garder les packagings. Donc juste ici, le packaging de l'Xbox One S, donc tout simplement, je l'ai pris en 500 Go, faut le savoir, avec Battlefield 1, un mois d'EA Access et 3 mois de Gold. Donc voilà les boys, c'est mon petit setup à moi et à Fanasio Predator en attendant le déménagement et la pièce qu'on va créer à deux. Donc on va pouvoir, entre guillemets, faire notre coin à nous, notre fond vert à nous, vraiment notre univers à nous, notre bulle à nous. Donc voilà les boys, n'hésitez pas à liker, à partager, des avis constructifs et moi je vous dis... Peace.